Nous sommes en 1495. Léonard a 43 ans. Il vit à Milan depuis 11 ans. Combien d'investigations, combien d'œuvres. Mais il reste toujours un rêve. Le rêve artistique de réaliser une grande œuvre de peinture. L'occasion se présenta. Quand le seigneur de Milan, Ludovico Sforza, ami de ce couvent, ami de cette communauté des dominicains, car il voulait que ce couvent et cette église fussent le sépulcre de la famille. Il avait promis au père supérieur de financer une grande œuvre. C'est ainsi qu'il dit à Léonard, « Tu peindras dans le réfectoire de l'ordre une ultime scène. » Une scène. Une scène. À Léonard, on lui demanda de représenter l'ultime scène, le Cénacle. Pour lui, cette scène était une scène réelle, concrète. Il savait que lorsque plusieurs personnes se réunissent autour d'une table pour partager un repas, il a déjà vu à Milan, dans les trattorias. Il l'a vu dans le Castello Sforza. Toutes les personnes sont différentes, mangent et boivent d'une certaine manière, chacun avec son expression et un geste particulier. Donc, il conçut une scène réelle, concrète, car les apôtres étaient aussi des personnes réelles. Et que fit-il? Il décida d'annoter tout ce qu'il voyait avant de commencer les premiers croquis. Il voulut annoter ce qu'il voyait, les gestes réels, spontanés. Et voici un extrait de ce qu'il écrivit comme observation préliminaire. Écoutez bien ce qu'il dit. J'en vois un qui a bu et a laissé le verre à sa place. Il a tourné la tête vers son interlocuteur et un autre qui croise les doigts et fronce les sourcils en se dirigeant à son compagnon. J'en vois un autre, les mains ouvertes. Il montre les paumes et hausse les épaules en écoutant avec attention et il arbore avec la bouche une moue de stupéfaction. J'en vois un autre qui parle à l'oreille de son voisin et celui-ci l'écoute en se retournant avec beaucoup d'attention. J'en vois un autre qui tient à la main un couteau et dans l'autre un pain à moitié tranché. J'en vois un autre sur le point de se retourner avec un couteau à la main qui renverse un verre sur la table. Et un autre qui appuie les mains sur la table et regarde. Un autre souffle sur une bouchée. Et un autre se rapproche pour voir celui qui est en train de parler et qui porte sa main devant les yeux et y projette une ombre. Finalement, j'en vois un autre qui s'incline vers l'arrière de celui qui se baisse et regarde celui qui parle entre le mur et celui qui est baissé. Il a observé tout ça. Et quand nous regardons les premiers croquis de Léonard, nous comprenons qu'au fond, ce qu'il veut, il dessina même des nus, ce sont les différents gestes qui appartiennent tous à des personnes différentes, les unes des autres. Ça, c'est une scène. De plus, quand on lui commanda ce tableau, il demanda aux moines du couvent. Que voulez-vous que je peigne comme nourriture? Quelle nourriture? Ils ont certainement répondu, tous ont peint l'ultime scène. Comme à Florence, il y en a plusieurs. On sait comment on peint l'ultime scène. Léonard affirma, non, non. Une scène, c'est trop long. Moi, comme peintre, je veux peindre un instant. Un instant. Et l'instant qu'il choisit ne fut pas l'Eucharistie, ce fut le moment où Jésus dit « L'un de vous va me trahir ».
Ce tableau se réfère à un épisode survenu le soir du Vendredi Saint. Jésus se trouve en compagnie de ses apôtres et Léonard pouvait peindre trois moments. Quand Jésus lave les pieds de ses disciples, quand il institue l'Eucharistie, ou quand Jésus dit « l'un de vous va me trahir ». Léonard, entre ces trois épisodes, choisit cette phrase de Jésus, cette accusation de Jésus. Donc c'est lui qui a choisi cette phrase, avec une certaine liberté. Oui, c'est lui qui l'a choisi. Nous pensons qu'également avec le conseil des pères qui se trouvaient dans le couvent, les pères dominicains. Une fois prononcée cette phrase, Jésus reste seul. Il se trouve dans un triangle équilatéral parfait qui renforce sa solitude. Comment Léonard réalisa-t-il cette œuvre ? De quelle manière ? Tous les peintres, une fois achevées les études préliminaires, réalisent l'œuvre de manière continue. Ce ne fut pas le cas de Léonard. Il réalisa le mural avec de multiples interruptions. Comment le savons-nous ? C'est parce qu'il existe un document, une célèbre lettre écrite par une certaine personne qui assista à l'exécution de cette peinture, Matteo Bandello, en se souvenant des jours passés en compagnie du maître, écrit ceci. Plusieurs fois, je l'ai vu et analysé. Léonard y allait très tôt le matin et montait sur l'échafaudage, car le cénacle se trouve beaucoup plus haut que le sol. Et là, de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, il ne lâchait pas le pinceau de la main. Ensuite, il pouvait passer 2, 3 ou 4 jours sans mettre la main à la tâche. Mais par contre, parfois, il passait 2 ou 3 heures à la contempler pour examiner et juger chaque figure. Quelle manière de travailler celle de Léonard ? Cela veut dire que Léonard, pendant qu'il peignait cette œuvre, continuait à penser au cheval, l'énorme sculpture, il continuait à se préoccuper de l'anatomie humaine, qu'il disséquait à nouveau ici à Milan, et pensait encore comment perfectionner la machine volante. C'est-à-dire que Léonard, dans chaque moment de sa vie, à n'importe quel instant, avait dans la tête plusieurs œuvres à la fois, étant capable de réaliser chacune d'elles de façon fragmentée. C'est de cette manière que Léonard a peint cette œuvre merveilleuse. Souvenons-nous de ce que nous confiait le professeur Nathalie à Florence sur le contenu théologique inhérent au tableau de l'Annonciation. Il nous disait « La montagne sur la mer, c'est Christ dans le monde. Dieu avant son incarnation, présent au fond du tableau. Et au premier plan, l'instant de son incarnation dans l'utérus virginal de Marie. » Maintenant, oui, si nous comprenons Dieu incarné en Christ et Léonard comme un peintre qui, dans sa peinture religieuse, s'est fasciné par le mystère au moment de sa manifestation, nous pouvons penser qu'il existe une possible relation entre l'Annonciation et le Cénacle. La montagne, le Verbe de Dieu incarné, le Christ qui vient nous racheter et qui est repoussé. Quid est sine terra?
Avant de réaliser le mural du Cénacle, Léonard fit l'essai de diverses techniques possibles afin d'assurer la qualité maximale des images peintes. Il y est arrivé, mais plus tard, le mural commença à se détériorer. Et ensuite, avec les successives restaurations, toutes assez mal conçues, puis avec l'éboulement d'une partie du réfectoire durant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, le cénacle se trouva totalement détérioré. Le docteur Pietro Marani, président de la Raccolta Vinciana, fut chargé de sa restauration définitive. La restauration du cénacle, nous l'avons filmée commodément durant des heures, seul devant l'œuvre. Comment commença cette aventure de la restauration ? Ce fut une aventure merveilleuse. Je suis arrivé à Milan, à la superintendance, en 1983, quand le professeur Bertelli avait commencé depuis peu la restauration du Cénacle. C'est alors qu'il m'a chargé de la supervision avec la restauratrice Birin Brandila l'année suivante. Depuis le début de la décision, non pas des études, maintenant nous savons comment restaurer. Combien de temps s'est-il écoulé jusqu'au jour où vous avez dit « Nous avons terminé la restauration » Pensez que les premiers échantillons envoyés à réaliser par Bertelli depuis les essais pour travailler sur la peinture datent de 1978. Donc, depuis les essais pour enlever les vernis et les anciennes peintures commencées en 1978, jusqu'à la fin, en 1999, cela fait 21 ans. Un processus si long qu'il a permis de modifier les techniques de restauration et cette intervention a fait école, au moins en Europe, comme un laboratoire d'essai, une expérience qui a évolué aussi avec le temps et qui dura 21 ans. J'ai eu cette impression par l'apparition de la peinture moderne et en voyant le cénacle comme ça, imparfaitement défini, l'image nous le suggère et on peut bien le percevoir. Du fait, tu as dit une chose exacte. La peinture moderne commence avec le cénacle. C'est ce que dit Vasari en situant Léonard au début de la manière moderne et que tous les grands peintres modernes, à partir de 1500, ont considéré l'œuvre comme la plus représentative de la peinture moderne. Par cette nouvelle façon de représenter les humeurs, les mouvements suggérés par la pensée, les gestes, c'est cela la psychologie des personnages reflétée dans ces attitudes. Après avoir erré un temps entre les écueils pleins d'ombre, je trouvai l'entrée d'une grande caverne. Devant laquelle je restais stupéfait et inquiet d'une telle découverte. Puis, en me baissant et en appuyant fortement ma main fatiguée sur mon genou et en formant une visière avec ma main droite, je me retournais d'un côté et de l'autre pour voir si je pouvais distinguer quelque chose à l'intérieur. Mais la profonde obscurité qui régnait m'empêcha de voir. Au bout d'un certain temps, je vins à ressentir subitement deux sentiments, la peur et le désir. La peur produite par l'obscure et menaçante caverne et le désir de voir si elle ne recelait pas à l'intérieur quelque chose de miraculeux.
Ce texte commence par quelques mots. Je vais les lire. Quant à moi, poussé par mon irrésistible désir, un désir irrésistible, je prends plaisir à voir la grande quantité de formes diverses et étranges dans l'artificieuse nature. Une nature artistique qui produit toujours des formes étranges. L'obscurité, l'abîme pour Léonard, c'était cette chose nouvelle qui nous attend. La profondeur sans fond de ce que nous n'avons pas encore découvert. Cette expérience fut celle d'une personne à la recherche de l'inconnu. C'est la caverne dans laquelle il voulut entrer, toujours. Le nouvel inconnu nous attend. Je me trouve dans la grande galerie du Louvre. Et sur ce mur sont exposés les tableaux de Léonard. La Vierge au rocher. Ces quatre figures introduite dans une caverne. La célèbre caverne que Léonard avait décrite comme sa propre vie spirituelle. Pourquoi n'est-ce pas un paysage agréable, plein de soleil? Pourquoi cette obscurité? Léonard nous dit que tout ce qui est mystérieux se trouve loin de notre compréhension. Et donc, il maintient cela loin de notre compréhension. Et dans cette caverne, dans cette obscurité, peu à peu apparaissent tant de détails. Une fois de plus, apparaît le paysage derrière, les montagnes, comme nous l'avons vu dans l'Annonciation, comme nous l'avons vu sur le premier paysage qu'il a peint dans le tableau de son maître Verrocchio, le baptême du Christ. Et ici, une petite apparition et cette séquence de gestes. Dos niños desnudos. Nous voyons une femme, deux enfants nus et une jeune personne mystérieuse, de sexe indéfini, réunis dans un lieu solitaire qui ressemble à une caverne. La femme et les deux enfants se regardent. Seule la jeune personne nous fixe et nous parle en signalant d'un doigt de la main droite l'un des deux enfants. Il nous dit que l'enfant agenouillé, Jean-Baptiste, sous le regard affectueux de cette femme, la Vierge Marie, reçoit l'humble bénédiction de l'autre, Jésus, qui le prépare ainsi pour une mission supérieure, celle du martyr, qu'ils partageront tous deux. La jeune personne, un ange envoyé par le ciel, accompagne et protège cette bénédiction en posant sa main gauche sur l'épaule de Jésus. Les fissures dans la roche sont produites durant la Passion. Cela fut révélé à Saint François d'Assise, qui se retira dans une d'elles pour prier. Dans le musée idéal,
Léonard de Vinci à Vinci, son directeur, Alessandro Vezzosi, a maintenu l'ambiance obscure d'une ancienne remise où sont exposées diverses inventions de Léonard. Pénétrer dans ce lieu, c'est comme explorer cette réalité inconnue que Léonard définit comme caverne. Dis-moi, cet adjectif idéal, ça promet beaucoup. On pourrait dire musée Léonard de Vinci. Non, mais musée idéal, pourquoi ? Par l'objectif de créer un musée idéal pour connaître Léonard dans son extraordinaire complexité. Naturellement, un musée des idées, mais comme un musée vivant qui veut présenter en concret les théories des musées imaginaires et affronter toute l'œuvre de Léonard, artiste, scientifique, inventeur, sa pensée, sa vie, ses territoires, jusqu'à l'héritage léonardien durant cinq siècles. Il fut conçu également comme le premier musée virtuel sur toute l'œuvre et le contexte que Léonard englobe. En accord avec les goûts de l'époque et d'après les normes dictées par les clercs, les peintres devaient représenter les saints debout, alignés les uns à côté des autres, immobiles, comme des statues, pour être facilement reconnus par les dévots. Léonard méprisa cette mode, car il pensait que chaque figure peinte devait exprimer avec des gestes clairs la vie intérieure. Et c'est comme ça qu'il l'a démontré en peignant le tableau Saint Jérôme. Dans ce tableau de Saint Jérôme, un lion accompagne Saint Jérôme car il lui a enlevé une épine du pied. Avec les naseaux ouverts, le fauve rugit comme s'il partageait la pénitence que s'impose le saint en frappant son poitrail avec une pierre. Léonard a dû lire sans doute dans la légende dorée la lettre de Saint Jérôme écrite à Eustache qui dit ainsi « En colère contre moi-même, mais décidé, je m'en fus seul dans le désert où je découvris une caverne, une roche brisée, et là, je me mis à prier. En ces lieux, je faisais la prison de ma chair pécheresse, et digne d'admiration et louange, celui qui tue les pensées impies quand elles naissent et les brise contre la roche. » À Milan, Léonard a fait la connaissance du moine Luca Pacioli, le meilleur mathématicien du moment. Auteur d'un traité sur les corps géométriques parfaits ou platoniques, appelé De Divine Proportione. Il avait besoin d'un artiste qui fut capable de les dessiner avec une extrême exactitude. Et Léonard sut le faire. L'exercice de dessiner ces volumes transparents comme des prisons géométriques, très complexes, permit à Léonard dessiner par la suite avec la même précision les innumérables machines, toujours utiles, qu'il imaginait continuellement.
Je suis arrivé finalement à la salle de la Rose de la bibliothèque ambrosiane pour observer le Codex Atlanticus de Leonardo. J'ai amené ici 6 des 12 tomes pour vous montrer quelques dessins sur des thèmes très divers. Quand il conçut la ville idéale, il se demanda « Comment pourrais-je circuler dans cette ville de canaux ?» J'ai dessiné des rues élevées, des rues plus basses, des places. Bon, il pensa qu'en plus des piétons, en plus des routes, l'homme pourrait aussi circuler avec une machine. Et il conçut la première automobile. Voici le dessin ici. L'automoteur avec son organisme qui a démontré être véridique. Et nous avons vu à Vinci le modèle de cette automobile. Voilà un des dessins originaux. Mais pour démontrer qu'il connaissait aussi la géométrie et les perspectives, il dessina plusieurs roues à des fins artistiques, mais aussi utilitaires. Par exemple, il dessina une roue comme celle-ci, la grande roue. Ce pourrait être celle d'un moulin qui conduit l'eau d'un endroit à l'autre ou un exercice de perspective. Mais regardez la perfection du dessin. Le français Diderot. 6 siècles plus tard, le français Diderot, celui qui organisa l'encyclopédie française, exigea aux illustrateurs de se reporter au dessin rigoureux de Léonard pour expliquer chacune de ses inventions, chacune des machines présentes dans ces volumes. Léonard a-t-il dessiné un édifice durant sa vie à Milan ? Oui, la Fabrica del Duomo l'a chargé du projet de la coupole qui manquait encore à la cathédrale. D'après le contrat du projet de la coupole de la cathédrale de Milan, Léonard devait réaliser les dessins de la structure et en plus un modèle de maquette en bois à échelle comme celle qu'avait présentée Brunelleschi pour le Dôme de Florence. On a conservé le contrat original dans le bureau de la Fabrica del Duomo. Donc, le document, eccolo qua. Voici le document. À Léonard le Florentin, la Fabrica avait demandé d'étudier la coupole, le Tiburio. Léonard réalisa 2 modèles qui ont disparu les deux, malheureusement. Voici les paiements qu'il a reçus en 3 occasions. Le premier, le 8 août 1487. Le deuxième, le 30 septembre de la même année. Les deux de 8 lire. Tutte due di 8 lire. E poi il saldo di. Et le solde de 40 lire. Il le reçut le 11 janvier 1488. Et ce fut une entreprise à laquelle Léonard s'appliqua, car il se souvenait de la coupole de Sainte-Marie de la Fleur de Florence, qui fut projetée et construite par Brunelleschi.
Durant les 17 ans de sa vie à Milan, Léonard a peint des portraits magnifiques de certains personnages de la cour du duc Ludovic. Certains ont été conservés. Le compositeur Franchino Gaforio, maître de chapelle de la cathédrale, Lucrèce Crivelli, appelée la belle ferronnière, Cecilia Gallerani, et Cecilia Gallerani, la jeune amante du duc. La mère de Leonardo, Caterina. Nous ne connaissons pas le nom de famille de Caterina, la mère de Leonard. Et Leonardo Leonard si. Ne l'a-t-il jamais revue? Quand elle a si, il l'a revue. Quand elle avait 66 ans, en 1493, elle alla le voir à Milan. Il l'a reçue, puis écrivit. Caterina est arrivée. Et l'année suivante, à l'âge de 67 ans, Caterina mourut à Milan et Léonard, son fils, organisa son enterrement. L'histoire de Caterina nous paraît vraiment courte. On sait peu de choses d'elle. De son mari, elle eut deux enfants, une fille et deux fils. Et on ne sait rien d'eux. Leonardo investit. Étudia la nature et projeta des machines utiles, mais pas toujours par commande. La quasi-totalité de ses recherches et de ses inventions furent le résultat d'une initiative personnelle, exclusivement personnelle. Il l'a déclaré au moyen d'une question qu'il s'est posée une fois par écrit et à laquelle il répondit plus tard. Léonard, pourquoi travailles-tu autant? Et il se répondit plus tard à lui-même. Je ne me fatigue jamais d'aider. Je ne me fatigue jamais d'être utile. C'est-à-dire que tous les fruits de ses recherches, de ses inventions, eurent pour but d'être utiles à l'humanité. Ce ne furent pas seulement des commandes. Ludovic Sforza s'enfuit de Milan le 24 septembre 1499. 15 jours après, le roi Louis XII entra dans la ville et rencontra Léonard. Après avoir admiré la Vierge au Rocher, l'ultime scène, Saint Jean-Baptiste, il commanda au peintre une famille sacrée. Léonard dessina le croquis définitif que nous verrons plus tard. Quand il quitta Milan en 1500, Léonard voyagea jusqu'à Mantua, invité par Isabelle de Gonzaga, la femme la plus admirée parmi le monde artistique de l'époque, par sa grande beauté et sa grande culture. Très célèbre, comme le peintre de la ultime scène, Léonard fut reçu comme le génie du moment. Dans le palais de la marquise, Léonard dessina son profil en lui promettant un portrait que finalement, il ne réalisa pas. Ici, à Mantua, Léonard put découvrir les fresques du grand artiste Andrea Mantegna, qui peignit dans le château de Saint-Georges, la résidence de la famille Gonzaga. Dans la chambre des époux, il fit le portrait de tous les membres de la famille, en incluant des personnages amis très importants, comme Christian du Danemark et l'empereur Frédéric
cerca de Mantua, en la isla près de Mantua, dans l'île Tejeto, appelée T, François II Gonzaga fit construire de vastes et commodes écuries pour ses chevaux de race préférés. La passion pour les chevaux coïncida. Cette passion pour les chevaux coïncida avec les études continuelles de Léonard, qui avait montré auparavant ses dessins des quadrupèdes à la marquise Isabelle d'Este. Ces mêmes dessins influenceront l'artiste Giulio Romano, lequel fit le portrait, grandeur nature, des chevaux préférés du duc Frédéric. Leur nom, Morel Favorito, Glorioso, Battaglia, Dario. En 1490, Léonard avait 38 ans. Rappelons-nous qu'il était arrivé à Milan à l'âge de 30 ans, en 1482. Établi à Milan, il voyagea dans plusieurs villes du nord de l'Italie. Un de ses objectifs cette année-là, 1490, Pavia. Une ville où l'on trouvait des maîtres très exigeants, dont certains d'anatomie. Léonard, qui étudiait et dessinait déjà le corps humain, dessinait de merveilleuses sections des os, des muscles, voulut rencontrer un véritable maître. C'est à Pavia qu'il assista à des classes que donnaient ses maîtres, mais trouva que les élèves étaient très indisciplinés, qu'ils le dérangeaient et ne le laissaient pas se concentrer. Il écrivit alors sur son journal de Pavia les paroles suivantes. « Je fais un discours sur les châtiments que méritent les étudiants impertinents. » accompagnés par des bêtes avec leurs courtisans. C'est-à-dire ceux qui vont derrière ces élèves en les excitant. Et que ces courtisans soient comme des chiens ou d'autres animaux de rapine qui les accompagnent, en courant toujours plus près de ceux qui fuient et poursuivent ces animaux innocents et affamés au temps des grandes neiges et qui viennent mendier une obole jusqu'à ta maison comme à un tuteur. Avec ces mots, non seulement il juge les mauvais étudiants qui, dans le fond, n'ont pas envie d'apprendre. Il se réfère à ceux qui appuient ces étudiants et, además, habla de las personas buenas. Mais qui nous parle des personnes humbles et bonnes. Il fut un maître très exigeant, toujours. Il fonda même une académie qui porta son nom, des années plus tard, où il recevait des véritables disciples. Léonard compara l'organisme humain avec la nature. Il perçut cette similitude et écrivit dans le Codex Hammer la réflexion suivante. Poussent les poils sur les animaux, pousse l'herbe dans les prairies et les feuilles dans les arbres.
Nous pourrions dire donc que la terre possède une âme végétale. La chair serait le sol, ses cartilages seraient les tobas, su sangre sería las venas de las aguas. Son sang serait les veines des eaux et la chaleur de l'âme du monde serait le feu qui se trouve à l'intérieur de la terre. En el viaje, durant son voyage de Milan à Venise, Léonard savait qu'il passerait par Padoue. Il était impatient d'arriver dans cette ville. S'y produirait une rencontre avec l'artiste le plus important de son temps, Donatello. Durant le XVe siècle, certaines villes ou familles, afin d'assurer leur propre liberté, faisaient appel à des troupes de mercenaires, sous le commandement d'un général très valeureux en qui il confiait. Le sculpteur Donatello fit le portrait de l'un d'eux, Erasme de Narni, appelé Guatamelata. C'était une sculpture en bronze, jamais égalée, mais très imitée par la suite. Quand Léonard la vit, il s'en inspira probablement pour dessiner le monument équestre que lui avait commandé le maréchal Trivulzio. Léonard espérait voir si véritablement Giotto avait été le maître de Masaccio. Giotto, Masaccio, les deux seuls peintres qui, selon lui, n'avaient pas imité leur maître et qui, puisant dans leurs sentiments les plus sincères, dans leur vision réelle, présente, avait initié un art nouveau. Dans cette chapelle, Léonard rencontra la peinture d'un grand maître. Savait que Giotto n'avait pas représenté uniquement l'histoire sacrée depuis l'Annonciation jusqu'au jugement dernier, mais avait aussi représenté l'humanité. L'humanité concrète en chair et en os. L'humanité qui s'exprime avec des gestes simples, naturels. Dans un environnement, lui aussi, très réel, mais sans recharge de détails. Sur cette plaque de marbre sont gravés trois vers de la Divine Comédie, dédiés par le poète Dante Alighieri à son ami Giotto. Je vais les lire. Je croyais qu'en peinture, Cimabue était le plus grand. Mais Giotto l'a surpassé et la célébrité de celui-ci se fait obscure. Léonard de Vinci était d'accord avec le poète.